On reparle de la police des transports, des CFF. Le fait de l'armée avait déjà donné lieu à un vif débat. Voici maintenant la question du taser. Le pistolet électrique doit permettre de maîtriser un passager menaçant ou dangereux. Révélation de nos collègues de SRF avec Linda Bourget. Ce matin à Genève, 21 nouvelles recrues de la police des transports des CFF vivent avec émotion leur assermentation. L'occasion pour leurs responsables de lancer une idée choc. Pour moi, taser et aussi longue arme, c'est nécessaire. Aujourd'hui, ces équipes sont déjà armées de pistolets dans les trains, mais le commandant veut les voir porter le taser. Je pense que dans la situation actuelle, où il y a toujours plus de couteaux et d'objets contendants, il est impératif que nous puissions réagir avec un taser. En tant que commandant, c'est mon devoir de garantir les chances de survie les plus élevées aux policiers. Pour le chef de la sécurité de Genève, la question mérite d'être débattue. Nous avons constaté ces dernières années qu'en France ou en Belgique, il y a eu des attaques terroristes dans les trains. Et on se demande bien sûr comment neutraliser de telles personnes. La question se pose naturellement aussi en Suisse. Alors, le taser est-il la réponse à cette question? C'est le Conseil fédéral qui devra trancher, mais l'administration se dit prête à étudier le dossier. De notre point de vue, le système de la police des transports fonctionne bien. Si cette question nous était adressée, nous l'examinerions. Pour que ces policiers particuliers soient un jour peut-être équipés d'une arme supplémentaire.